Bonjour, dans cette vidéo je vais parler des modes. Je vais essayer de répondre aux questions que je reçois assez souvent sur ce sujet-là, ou plus exactement de clarifier certains points, parce que je vois qu'il y a pas mal de confusion sur certaines choses. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident à comprendre, les modes, surtout si on a peu d'expérience en musique. Donc je vais fonctionner par question ou par affirmation et à chaque fois à chaque fois je vais répondre ou donner mon point de vue. La première affirmation, ou qui est plutôt une question, c'est... Do majeur, la gamme de Do majeur ou, la gamme de, ou le mode de phalidien, c'est quoi la différence Parce qu'en fait, ces deux gammes contiennent les mêmes notes. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet avec euh, Do majeur et, et Ré dorien, c'est quoi la différence Donc, c'est la même question en fait. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans cette vidéo, qui est disponible sur YouTube hein, c'est que quand vous allez faire une mélodie, Chacune des notes de cette mélodie va sonner par rapport à l'accord qui est joué dans l'accompagnement, au moment où vous jouez cette mélodie. Et ça, c'est très important. Du coup, c'est important de savoir les notes que vous jouez, où elles se trouvent par rapport à l'accord de l'accompagnement. Est-ce que c'est la fondamentale ou Je vais vous jouer un exemple tout de suite pour illustrer ça. Donc je vais prendre deux accords possibles l'accord de Do majeur 7 et l'accord de Si mineur 7 bémol5. Je vais jouer la même mélodie sur ces deux accords et vous allez voir qu'elle ne va pas sonner pareil. Donc la mélodie c'est. C'est ça, c'est Fa, Mi, Ré, Fa avec ce rythme. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'était sur Do g 7 et maintenant sur si mineur 7 bémol 5 Donc vous voyez que la mélodie, ça n'est pas pareil. Enfin, les sensations de dissonance et de consonance ne sont pas au même moment en fonction de l'accord qu'il y a dans l'accompagnement. Du coup, ça change beaucoup. Et donc c'est ça la raison principale pour laquelle on va penser peut-être plus do majeur ou fa lydien, ou ré ou autre chose. Donc là, sur le do majeur, le fa, il était très dissonant, ce n'est pas bien, alors que sur le si mineur 7 bémol 5, il était très consonant, puisqu'il était dans l'accord. Deuxième point qui va être une affirmation, oui, mais moi, je, je pense à do majeur sur fa majeur, du coup ça sonne lydien. Ça m'arrive assez souvent de voir des choses comme ça. Ben, en fait... C'est pas faux que ça va sonner lydien, mais si tu veux t'arrêter sur une note et tu sais pas du coup ce que c'est cette note par rapport à l'accord qui est joué, qui est un accord de fa majeur, ben c'est dommage, tu sauras pas anticiper si cette note elle va être consonante ou dissonante. Alors que si on pense falidien sur un accord de fa majeur, et ben on sait à chaque fois sur notre mode de falidien où se trouvent les notes qui vont être dissonantes ou consonantes. Par rapport à l'accord de fa majeur, puisque c'est l'accord de fa majeur qui est joué. Si on pense à do majeur, en plus du fait qu'il faut calculer donc fa sol la si do, il faut monter du bon nombre pour trouver la gamme majeure qu'il faut jouer. On joue cette gamme majeure, mais alors si on pense do majeur sur fa majeur, là, on pense à la gamme de do majeur sur l'accord de fa majeur. Du coup, ça veut dire qu'il mmh. faut penser la gamme de do majeur, mais quand on s'arrête sur une note, on ne sait pas si elle va être consonante ou dissonante parce qu'on pense tout par rapport à do c'est un peu plus compliqué quoi, donc ça veut dire qu'on ne pense pas à une gamme qui est la gamme qui va bien sur l'accord du moment, et ça, ben, dans certains cas, pas tous les cas, hein, mais dans certains cas, c'est souvent, ça complexifie les choses et ça ne nous permet pas d'anticiper si les notes vont être consonantes ou dissonantes. Troisième point, une question cette fois-ci, oui mais alors, à chaque fois qu'on change d'accord, il faut penser à chaque, à, au mode qui va bien sur chaque accord Eh ben ça dépend. Ça dépend si l'accord dure longtemps ou pas. Si l'accord dure longtemps, donc à savoir peut-être deux mesures, trois mesures ou plus, oui, c'est bien de penser au mode qui va bien sur cet accord. Si l'accord ne dure pas longtemps, une mesure ou une demi-mesure, et ça dépend encore du tempo hein, évidemment, euh, eh ben, si l'accord ne dure pas longtemps, là on peut penser à la, à la gamme globale du groupe d'accords sur lequel on joue. Donc si par exemple on a assez rapidement un enchaînement qu'on trouve souvent en jazz par exemple un 2 5 1 en do majeur, ré mineur 7, sol 7, do majeur 7. Si on a ça assez rapidement, on va penser à la gamme de do majeur tout du long parce que ces trois accords sont dans la gamme de do majeur et non pas à ré dorien et sol mixolydien et do euh, majeur. On va pas penser à ça, on va jouer do majeur tout du long. Voilà et on va essayer de suivre un petit peu les accords. Donc, si on veut suivre les accords, là on va penser aux arpèges d'accords uniquement pour faire entendre la couleur du changement d'accord. Là j'ai fait entendre, j'ai souligné les notes qu'il y avait dans les, cet enchaînement d'accords, mais sinon on reste dans la gamme de Do majeur. Il y a certains cas dans lesquels, même si les accords changent vite, il va falloir suivre les accords, c'est dans les cas où les accords ne sont pas dans la même gamme. donc Par exemple, si je fais euh, dans ce qu'on appelle le turnaround bebop, on a ça, on a Do, euh, Do maje 7, Mi bémol maje 7, La bémol maje 7, Ré bémol maje 7. Donc là, ces quatre accords, il n'y en a aucun, pas quasiment, qui est dans la même gamme. Euh, donc, donc ça veut dire qu'à chaque accord, même s'il change vite, il faut qu'on... Change de gamme en fait. Euh, donc il y a certains cas comme ça où il va falloir quand même changer de gamme à chaque accord, même s'il passe vite, mais c'est des cas où il y a des fortes modulations. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui détaille ce genre de subtilités euh, dans lesquelles je parle pendant au moins, au moins 10 minutes euh, de, de ce sujet-là. Quelle gamme jouer sur. Euh, s'appelle quel, Quelle gamme jouer sur des playbacks, je crois. Et j'explique justement que des fois on va penser plus en arpèges d'accords, plus en gamme, des fois on va jouer une gamme sur plusieurs accords. Voilà. C'est un petit peu subtil, mais ça demande un petit peu de concentration. Voilà, J'espère que ça a clarifié un peu la question. Quatrième point maintenant, une position, ça n'est pas un mode. C'est très différent. N'importe quelle gamme ou n'importe quel mode contient cinq positions. On peut en trouver un peu plus, mais globalement, si on se base sur le système qu'on appelle CAGED, C-A-G-E-D, eh ben, -E c'est cinq positions principales pour toutes les gammes, toutes les modes. Donc ce que ça veut dire ça, c'est que sur un même endroit du manche, pour une même position on va dire, on peut jouer toutes les gammes et toutes les modes qui existent dans le monde. Donc c'est important de bien le comprendre et c'est pas, pas évident parce que c'est pas visuel. Un mode ça n'est pas visuel, c'est auditif en fait, il faut l'entendre il faut le mode. Toujours cette même, cette même notion de référence, c'est-à-dire quel est l'accord qui est joué dans l'accompagnement et quelles sont les notes qu'on joue, et ben c'est ça qui nous donne le mode. Mais si on n'a que des notes à jouer et qu'on n'a pas de référentiel, ben do majeur, ré dorien, ça sonne tout pareil en fait. Hein, ce sont les mêmes notes. Donc c'est important de comprendre qu'une position, ça n'est pas un mode. Et ça, pour le voir un petit peu mieux, ce qui est bien, c'est de se baser sur l'arpège de l'accord de l'accompagnement. Si je prends un exemple, on prend ce, ce quoi, ce do majeur. Non, on va changer, ce si bémol majeur. Allez position de si bémol majeur en barré donc je peux très bien jouer la gamme de euh, si bémol majeur dessus mais si je joue le mode de si bémol lydien dessus ça va donner ça et donc ça c'est la même position d'arpège c'est pas la même gamme que je joue dessus et en fait si vous connaissez bien vos positions de la gamme majeure ben en fait ce sont deux positions différentes de la gamme majeure que je viens de jouer. Je ne sais pas si c'est la position 1, 2, 3, 4, peu importe. Je ne les nomme pas comme ça les positions, j'ai pas, pas ce genre de repère. Mais en tout cas j'ai joué deux positions possibles de la gamme majeure. Mais un coup de la gamme de bémol majeur et un coup de la gamme de Fa majeur. Mais bon, peu importe, c'est juste pour bien vous faire comprendre qu'une position, ça n'est pas un mode. Cinquième point et dernier point, c'est très important d'apprendre très, très bien, enfin très profondément, on va dire, un nombre assez limité de gammes. Il n'y a pas énormément de gammes qu'il faut apprendre. Alors, j'aurais envie de vous dire la première à apprendre. Donc, bah, il y a la pentamineur. Ça, c'est peut-être la plus courante si vous faites du rock ou du blues. La pentatonique mineure ou la gamme blues, hein, c'est juste avec une note en plus. Et après, la gamme majeure et ses cinq positions. Donc les cinq positions de la pentamineur et les cinq positions de la gamme majeure. Et après, passez beaucoup de temps à essayer de vous poser des questions en essayant de les mettre en lien. Vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux, en fait. La pentamineur, elle colle parfaitement au mode éolien de la gamme majeure. Elle peut su se superposer à ce mode-là, et même à d'autres modes, mais bon. Euh, donc ça, c'est important de faire le lien, et après d'apprendre les modes principaux de la gamme majeure. Donc, de, en fait, c'est les mêmes positions que la gamme majeure, il hein. n'y a, a que cinq positions en tout pour tous les modes de la gamme majeure. Donc en tout, il n'y a que cinq positions à apprendre, <laughs> c'est ça que je veux dire. Sauf qu'il faut arriver à les penser, chacune de ces positions, il faut arriver à les penser avec des référentiels différents. Et c'est ça qui demande beaucoup de temps, et c'est ça le fameux apprentissage des modes. Donc, privilégier le mode mineur naturel, le 6 de la gamme majeure. Ensuite, le dorien, le mixolydien et le lydien. Ce sont ceux qui sont les plus utilisés. Le phrygien et le locrien, ils sont très peu utilisés. Et ensuite, ça dépend des styles de musique que vous jouez après. Hein. Mais en général, on ne pas souvent. Et après, il y a la gamme mineure harmonique et son degré 5, qu'on appelle phrygien, phrygien dominante ou mixolydien bémol 2, bémol 6, je crois. Donc la gamme mineure harmonique, elle est assez utilisée. Et puis après, si vous avez pas mal d'énergie en plus, ben vous pouvez apprendre la gamme mineure mélodique, euh, dont on se sert pas mal en jazz, on se sert aussi pas mal de ces différents modes, mais ça c'est déjà un peu plus avancé. Donc voilà, il y a la majeure aussi qui est assez utile, que vous pouvez superposer à la gamme majeure. Donc voilà, c'est important de bien apprendre ces assez peu de gammes, commencer par la pentamineur et la gamme majeure. Et par contre, c'est important de, se poser, de passer du temps à se poser des questions lorsque vous jouez ces gammes sur pourquoi elles sonnent comme ça, c'est quoi le lien entre ces différentes positions, les différents modes. Moi, je sais que ça m'a pris quelques années quand j'ai commencé la guitare, j'ai appris tout ça assez rapidement, mais je comprenais pas ce que je faisais, donc je jouais des notes un peu au pif et ça a pris plusieurs années pour que j'y vois un petit peu plus clair. Au moins cinq ans, je dirais donc ça prend quand même un petit peu de temps. Il y a plusieurs façons pour euh, bien assimiler tout ça, et je pense notamment à une que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps c'est l'utilisation d'un outil qui s'appelle le 12 Assistant. C'est un outil, c'est un site, c'est un outil qui est fait sur, sur internet par Nicolas, par un, un développeur qui est passionné de guitare et qui a créé cet outil qui est vraiment très utile, très complet, très large aussi qui permet de faire vraiment beaucoup de choses et pour tout ce qui est visualisation du manche des gammes euh, des arpèges d'accords et le lien entre eux, les arpèges d'accords et les gammes et les modes et tout ça c'est vraiment bien euh, je trouve donc vous pourrez sur ce avec le 12 Assistant vous pourrez visualiser le manche de la guitare en gaucher comme en droitier vous pourrez afficher différents arpèges d'accords vous pourrez afficher aussi différentes positions en fait toutes les positions de tous les modes qui sont couramment Utilisé et donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez, ben vous pourrez faire ça pour toutes les, les toniques possibles. Donc vous pourrez voir en fonction des toniques que vous choisissez ben le diagramme qui se déplace. Vous pourrez choisir aussi certaines positions de certains modes. Et le simple fait comme ça d'observer comment tout ça se déplace de façon très visuelle, et ben des fois ça permet de clarifier pas mal de choses et de comprendre pas mal de choses. Vous pourrez même faire beaucoup plus d'autres choses sur le 12 assistant. Qui est donc ben, par définition un assistant de, pour guitariste. Quoi. Vous pourrez choisir des enchaînements d'accords, vous pourrez les partager avec la communauté, vous pourrez essayer de déduire ou de demander à l'outil de déduire quelle gamme fonctionne bien ou quel mode fonctionne bien sur tel enchaînement d'accords qui vous est proposé ou alors que vous avez créé vous-même. Donc c'est vraiment un outil très complet, c'est un projet qui est très intéressant. Euh, donc, porté par Nico, je vous conseille vraiment d'aller voir euh, ce que c'est là ce 12 assistant si vous connaissez pas encore. Il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous amènera au 12 assistant, et puis c'est un lien qui vous permettra si vous, de, si vous choisissez d'opter pour, pour l'achat du 12 ou l'abonnement du 12, et ben ça vous permettra, ça me permettra de toucher une petite commission sur cet achat là. Donc voilà, ça, ça contribuera à, à soutenir. Euh, Ma chaîne donc allez faire un tour sur le 12, il y a une version gratuite aussi hein. euh, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le, le format payant mais c'est mieux parce que du coup ça soutient le travail de Nico qui a un travail formidable il y a de, des nouveaux outils très souvent euh, récemment il y a un métronome qui est sorti il y a aussi un accordeur il y a plein d'outils plein qui sont c'est un projet en ébullition on va dire donc voilà allez faire un tour pour découvrir cet outil j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. C'était un peu une forme de FAQ mais sauf que c'est moi qui ai choisi les questions <laughs> basées sur les questions que je reçois assez souvent. J'espère que ça vous a aidé à y voir clair. Il y a quand même quelque chose qui est fondamental à comprendre avec ces modes, c'est que c'est certes quelque chose qui se comprend avec l'intellect, mais si vous passez pas de temps sur la guitare à les jouer, ben vous pourrez jamais comprendre ce que c'est que ces modes parce que c'est vraiment quelque chose basé sur le ressenti et la sensation du mode phrygien et la sensation du mode mixolydien, bah c'est des choses qu'on ne peut pas facilement expliquer avec les mots. Donc c'est à vous de l'expérimenter. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait. Euh, vous pouvez me soutenir donc, en vous abonnant déjà, en allant voir sur mon site aussi mes différentes formations complètes et en optant pour l'achat d'une de ces formations ou de plusieurs formations. Vous pouvez aussi me soutenir sur les plateformes Tipeee et Patreon pour... Continuer, me, me contribuer, à me soutenir pour que je continue à, à publier des vidéos et des tutos.